Voici le fardier de Cugnot, réalisé en mécano. Pour le démarrer, je pousse la commande de vapeur qui vient actionner le moteur situé dans la cuve. Pour mieux se rendre compte, je retire le dessus de la cuve, ce qui permet de voir le moteur en fonctionnement. Le moteur transmet le mouvement jusqu'au piston par l'intermédiaire d'engrenages. Les pistons transmettent le mouvement aux bras articulés qui actionnent les roues à rocher par l'intermédiaire de cliquets, alternativement droite et gauche. Les batteries sont situées dans le réservoir à combustible situé sous le châssis. À l'arrière du siège du conducteur, il y a le coffre à outils. Et devant le siège du conducteur, la commande de direction, qui est également fonctionnelle.